Ces protestataires sont vêtus de rouge dans leur majorité en signe de mécontentement. Ils ont laissé éclater leur colère ce lundi matin juste à la devanture de la mairie de Matam. Les populations de ce quartier ont barré la route empêchant tout passage pour, disent-elles, protester contre le manque d'électricité dans leur localité. Les manifestants accusent d'ailleurs un certain nommé Sidi Bé, habitant du même quartier, de s'être opposé à l'installation du transformateur qui devrait le desservir en courant électrique. On a commencé ça depuis hier nuit pour que Sidi Bé libère Matam. Un seul individu ne peut pas venir s'opposer devant toute une population. Il nous prive de notre droit. Courant, on n'a pas le courant stablement. Le courant vient, ça part encore. Les coupures intempestives, on n'en veut pas à Matam. Ils laissent nous, on va déposer notre transformateur là-bas aujourd'hui, ou bien on ne quitte pas ici. Sidi Bé, c'est un opérateur économique, on ne sait pas. Et puis il ne prie même pas, c'est un tam. Il ne prie même pas. Les manifestants disent que certains parmi eux auraient même été emprisonnés par le même Sidi Bé. Dans cette affaire, le PM3 et le commissariat central de Matam sont pointés du doigt. Il nous emprisonne. Il a appelé, il a kidnappé une de nous. On est sortis dans la rue. Il a kidnappé deux fois. Et puis il y a convocation pour 10 personnes. Mais c'est quoi? Où on va? Le PM3 qui est là, il est saisi de l'affaire. Parce qu'on a débouté ça. Central aussi est saisi de l'affaire. Maintenant là, comme on n'a pas de président, Alpha Condé Ramatan Tongo, ou bien Arabe Sidibé Tongo, cette affaire remonte au mois de juillet dernier, selon les manifestants. Ils restent quand même déterminés jusqu'à la satisfaction de leurs revendications. Les autorités du quartier et communal sont toutes accusées de n'avoir pas pris cette affaire en compte. Sur leur pancarte, ils interpellent le chef de l'État. Sidi Bé ou Matam, c'est ce qu'on demande le président. Sidi Bé ou Matam, Sidi Bé n'a qu'à dégager. Il n'a qu'à dégager ici. Il n'est pas bon. Le chef de l'État pour tuer les pauvres. Ça fait plus de 6 mois. L'autorité guinéenne est là. Au lieu d'intervenir, impossible. Aujourd'hui, rien ne se passera à Matam. Aujourd'hui, c'est ça. Il dit qu'il a l'argent. Nous, on va lui montrer l'argent et la population. Alpha Condé va choisir quelque chose. C'est ça. Les agents du PM3 venus sur les lieux de la manifestation ont tenté d'enlever les barrages érigés par les jeunes manifestants, mais ils se sont vus empêchés par la foule.